Avant de commencer, du coup, je vais un petit peu faire un tour de ce que j'ai fait en off. Alors, on a fait plusieurs. Enfin, on a fait. J'ai fait plusieurs choses. Alors, j'ai capturé un petit caninos. Des familles. Voilà, tout simplement. Qu'on va faire évoluer hein, directement. Salut Laurine. Salut à ceux qui sont déjà là d'ailleurs. J'ai capturé ce petit caninos déjà qu'on peut avoir assez vite finalement. Je sais pas si c'est facile de l'avoir aussi vite parce qu'il fallait faire un petit truc avec Serbiline. Mais grosso modo, pour si vous voulez savoir où il est, mais je pense que vous savez tous parce que je suis un peu en retard à ce niveau-là. C'est où qu'on a la map déjà? Elle est là. Elle est là. Je sais même plus comment on fait pour voir les maps. Attends. C'est sur cette dernière zone. Hop. Il est exactement par là. Par là. Ici. À peu près par ici. Ah oui, et j'ai fait évoluer mon. Moi, la casa. En fait, j'ai fait un échange avec Morpeka. Et je me suis dit, bon, bah voilà, je pourrais le faire évoluer du coup, comme tous les autres Pokémon. Et en fait, il évolue directement. Bah, moi, je vais très bien. Un peu fatigué, mais bon, j'ai une, jour une journée de cours un peu intense. Mais bon, j'ai réussi à me reposer et repartir, quoi. Hein, de direct. Du coup, bah, comme nouveauté, il y a juste Caninos. Ah oui, Caninos, un sécateur. Du coup, on va aller acheter. Je suis où là? On va aller acheter grâce au coffre qu'on a récupéré. On va choper la peau métal. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Je l'ai pas acheté, hein. Non, c'est bon. Et si j'ai bien su suivi dans ce jeu, si on utilise une peau métal sur. Je pense que vous êtes. C'est un des rares cisaillocs que vous verrez en aventure, à mon avis. Et voilà. Direct. On va commencer avec ça. Et après, je vais faire la quête du Ponyta Shiny que j'ai pas fait. Parce que bon, on m'a dit, il y a une quête du Ponyta Shiny. Si ça se trouve, la quête du Ponyta Shiny, ça déverrouille tous les Shiny. Et je l'ai pas faite. Ah, Cisaillox, qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, non, je veux pas acheter 14 finalement. Je me suis dit, comme Pokémon dit suit, on va se faire plaisir avec. Oh, les styles et Cisaillox. Hein. Je me suis dit que Cisaillox c'était plus intéressant en termes de typage. Par contre. J'ai la pierre feu, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est comme le Arcanin classique en fait, sauf qu'on est à Issui du coup. Et Caninos, du coup, bah, je le fais directement évoluer. Je sais pas si c'est bien, mais je pense que ça dérange pas. Je sais pas si Arcanin, du coup, apprend plus d'attaque grâce à son truc de gestion de capacité ou pas. Je ne sais pas. Alors, moi, je pensais que c'était un bug à la base, hein, qu'Arcanin il était plus clair que ça. En fait, non, il est bien foncé. Et du coup, bah, c'est bizarre. On dirait qu'il est pas illuminé. Mais tout va bien. On dirait qu'il est carbonisé. Mais sinon, c'est quoi son type en fait? Parce que moi je l'ai fait, mais. Ah, les feux roches! Ah, j'ai bien fait de pas faire un. Ah ouais, x4. x4 à l'eau! Mais c'est pas grave, à la limite, il y a le sol qui est problématique, le combat qui est problématique. Ouais, ça va, ça va, ça va. Est-ce qu'il apprend des choses en plus? Alors, j'ai grand courroux, évidemment, c'est du physique. Bah écoute, à la place de Crofeu, hein. Machouille, je l'ai déjà. Crofeu, morsure, flamèche, et après il a rien d'autre. J'ai éboulement, c'est stable, ouais, c'est bon. Ok. Peut-être qu'il va apprendre des choses. Après, il est niveau très élevé, hein. Parce que je pense que le Caninos, il devait être dans une zone où je suis pas censé l'avoir, mais je l'ai eu. Ah ouais, belle équipe, la mienne n'était pas aussi jolie. Bah, je sais pas, moi, au fil du temps, un sécateur, c'est vrai que quand je l'ai eu, je me suis dit, ben, soit je fais un sécateur, soit un Cisaillox, et quand on a su comment le faire, et qu'il fallait avoir des coffres, les machins. Bah, je me suis dit, vas-y, je fais Cisaillox. C'est pas souvent qu'on peut faire Cisaillox parce qu'à l'époque on devait faire les échanges, etc. avec la pierre. C'était un peu plus chiant. Mais je vais juste rendre les quêtes, enfin, ouais, la quête parce que du coup j'ai fait quand même du Pokédex. J'ai capturé des trucs. Je sais pas si j'ai fait un truc de fou. J'ai tenté un. Je crois que je. Attends. Il me semble que j'ai fait une meute de Mime Junior. J'ai pas eu de Shiny malheureusement. Après, tu vas me dire peut-être que je l'aurai là, un shiny. Et du coup, le problème aussi. Ah oui, j'ai capturé un boule de nœud. Dominant là. Non, pas dominant. Un boule de nœud. Comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils appellent ça. Un dominant, on va l'appeler. Et il était niveau 45, donc il n'est pas forcément baron là. Baron. Idem pour Hippodocus. J'ai un Hippodocus et un boule de nœud baron que j'ai capturé. Et du coup, je peux pas les utiliser pour l'instant parce que j'ai pas assez d'étoiles, je pense. Est-ce que maintenant, grâce à mes étoiles, je peux. Voilà, je peux les
peux les utiliser, donc c'est très très bien. J'avais besoin qu'ils m'obéissent quand même, hein, parce que sinon... Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. C'est quoi les Mega Mass Ball? Ah mais c'est ça du coup, la ma... Parce qu'en vrai la Mass Ball, c'est pas la même Mass Ball qu'on connaît. Hein. La Mass Ball dans ce jeu, c'est que les Pokémon qui sont surpris lorsque vous tirez la balle. Donc par derrière ou quoi. Moi je pensais que c'était les Pokémon lourds. En fait rien à voir. Bref, tu vas devoir collaborer avec une certaine personne pour tes recherches sur cette électrode. Et ce qui est bien, c'est que... vu que j'ai un Hippodocus qui traîne, au pire des cas, je pourrais prendre l'Hippodocus sur moi. Si jamais c'est problématique. Elle a la rencontre d'un certain Chamal du clan Perle au dojo de rusticité. Ok, ok. J'ai mon sac qui est ok, non? J'ai fait un peu de tri. Ouais, il est assez vite, ça. Est-ce que vous tous, vous avez un avis sur le jeu? Est-ce que vous tous, vous avez un avis? C'est-à-dire, on a tous un avis, ouais, je pense. Mais pour mon cas, je trouve que c'est un jeu sympa. Et encore une fois, je vais me répéter, un jeu sympa, mais qui est malheureusement très très limité techniquement, quoi. Mais bon, c'est pas ça qui va le... On s'amuse quand même, donc on va dire le principal est fait. On s'amuse. Après, c'est qui Chamal, c'est... Attends, mais je vais là, mais... Je devais aller là, hein. Ah, mais je sais pourquoi. Bon, ça doit être un de ceux-là. Celui-là. Aujourd'hui, c'est moi qui vous conduis sur les lieux de votre mission. Ah, mince. Ah, c'est parfait qu'il l'ait pas fait. Parce qu'en fait, je voulais d'abord... choper la quête du Ponyta avant de continuer. Ça c'est Ponyta. Ah, tu es là aussi. Parce qu'on m'a dit peut-être que ça bloquerait les shiny, hein, mais bon, je pense pas. Vu que ça serait un Ponyta shiny. Bon, on l'a un petit peu spoilé, susurré. Ah oui, je l'ai pas dit, hein. Je pense que vous avez vu que j'ai changé ma tête. J'ai une tête un peu de paysan japonais de l'époque. Avec, c'est le spécial Erisandre. J'attendais que quelqu'un vienne avec impatience. Laisse-moi t'expliquer le problème. Un Ponyta comme personne n'en a jamais vu dans le coin est apparu au Val Verrache. Ferrache. Il ne ressemble à aucun autre Ponyta et pour être honnête, il me fait un peu peur. Quand j'en ai parlé au professeur, il m'a dit qu'il avait très envie de faire des recherches sur lui. Je lui ai donc promis que j'observerai de plus près, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Au Val Verrache. Ok. En même temps, je vais choper des quêtes que j'ai pas chopées. Il y a tellement de quêtes secondaires par contre. Sincèrement, ça a abusé. Éclatroc. Oh, je sais pas si j'ai un Pokémon avec Éclatroc. Je sais pas. Je pense que je dois... Ah, j'ai... J'en ai un. Vas-y, fais-toi plaisir avec mon Pokémon. En fait, il pourrait être cool, mais il est techniquement bâclé. Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que j'ai le même avis que toi. C'est qu'en fait ils se sont Game Freak comme d'habitude, se sont on va dire limités tout seuls avec le temps. Hein. Après je sais pas si c'est eux qui ont décidé ça, mais je pense que oui. Ils auraient pu attendre un petit peu plus et développer un peu plus, mais ils se sont dit que c'était suffisant. Après à mon avis peut-être qu'ils avaient envie de voir si ce jeu fonctionnerait, donc plus vite c'est fait, plus vite ils le savent, tu vois. Donc à mon avis ils ont vu qu'on kiffe cette manière de jouer. Enfin moi je kiffe. Maintenant pour moi il manque tout ce qui est arène. Alors j'ai ouï dire qu'il y aurait un DLC qui allait sortir. Oui, il y aurait, du coup, un délire de combat, d'arène en supplémentaire. Voilà, on te laisse faire ce que tu veux. Je te présente Chamal, c'est le gardien de Farfurex. Oh! Ok, il y aurait Farfurex. Oh, putain, Dimorex. Farfurex et Dimorex. Il va nous conduire jusqu'à elle. Ah, c'est une meuf? C'est Farfurex femelle, reine. Je vous prie de m'excuser pour ce matin, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Chamal. Putain, il a les yeux blancs, hein. Si vous souhaitez voir Electrode, vous allez avoir besoin de l'aide de Farfurex. Ah, Farfurex, ça serait le Pokémon qui nous aide. Mais pour cela, il va tout d'abord falloir qu'elle reconnaisse votre valeur. Je vous invite donc à embarquer en toute sécurité pour le Mont Couronné. Oh, il existe vraiment le Mont Couronné, finalement. Parce qu'il y avait le Mont, je sais plus quoi, mais... Tu sais, Chamal, elle est un peu comme toi. Comme moi, comment? Il sait pas d'où il vient. En fait, il a perdu la mémoire. Oh. Mais j'ai l'intuition que si tu fais équipe avec lui, il parviendra à se souvenir de quelque chose. Bah, il vient de dire qu'il vient un peu de Ruby Saphir, lui. Je compte sur toi cette fois-ci encore, Pyrux. Allez, c'est parti. Rendez-vous au contrefort couronné. Bah, let's go, hein. De toute façon, j'ai mis au cas où la quête... Enfin, je sais où faut que j'aille pour la quête de Ponyta. Parce que je me suis dit à un moment donné, putain, mais peut-être que j'ai pas de shiny ou j'ai moins de shiny parce que j'ai pas fait la quête de Ponyta. Qui libérerait les shiny ou du moins les expliquerait? Je sais pas. Qu'est-ce que vous m'avez dit?
On est pris par la main, sauf que dans les quêtes annexes, oui, bon, bah, ça c'est sûr, heureusement, où je me suis perdu plus d'une fois à cause du manque d'infos. Bah, après, souvent ils disent au moins la zone à peu près. Ouais. Ah, ben il est là! Il est bien bleu, il est bien chat. Ça ressemble à un étrange Ponyta. En fait, c'est fou qu'ils nous le. En fait, je pense qu'ils font ça pour ceux qui pensent que les Shiny sont, je sais pas, pop différemment. Ah, mais du coup, je dois y aller. J'ai pas. Oh! Ah oui, ok. Ça brille quoi. Je pensais que je peux le louper. Ah bah non, on va pas le louper. Faites un rapport à Yota. Écoute, mon frère, maintenant que j'ai fait ça, moi je me casse. Moi j'ai eu mon shiny. C'est bon. Bah voilà, j'ai mon shiny. Pas compliqué d'avoir un shiny dans ce jeu, franchement. Je suis une fraude. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut. Il y a un Farfurex et un électrode à défoncer, à calmer. Bienvenue en contrefort couronné, Pyrux. Qui dit montagne dit Pokémon de type roche. Et sol, c'est la quatrième zone du coup. Et ils sont nombreux dans les environs. Après, roche et sol, on l'a eu avec. On l'a eu quand même. Hein. Et là-bas, juste en dessous de la faille spatio-temporelle, c'est le mont couronné. Il n'a pas changé de nom depuis. Hein. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il m'est temps d'aller l'explorer. Alors, moi, ce que j'aime dans les nouvelles zones, c'est bien ça. C'est le fait de savoir, de voir ce qui va arriver. Gravissez. Oh là là. Voici Tarinorm. Il lui manque un bout de son bras. Il est magnifique. Ah, je peux l'examiner. Ok. Ah, mais il y en a plein. Là, il y a un Mélodelphe ou un Mélofée. Mélodelphe, non? Pourquoi ils sont par terre? Pourquoi ils sont par terre? Oh là là! Il y a des petits Luxray direct. Tout va bien, quoi. Toi, regardez, mais ils remettent les mêmes Pokémon. C'est dommage. Parasect, on connaît, quoi. Parasect, on connaît. Nosferatu, on connaît. Bon, tout ça, on connaît. Hein. Vas-y, on saute. Ah. Faut que je me remette un peu en jambes là. Ok, moi j'aimerais bien des combats. Hein. J'ai envie de mettre qui en combat. Cisaiox un peu. Je sais pas s'il y aura des combats en fait. Je me dis peut-être qu'il y a des combats, peut-être que non. Ah, peut-être j'ai fait bugger le jeu là. L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point commun, ils envoient tous deux des éclairs. Alors ne vous rapprochez pas trop près ou vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Ah, ce n'est pas facile tous les jours d'être un Pokémon. Il leur arrive aussi d'être enragé comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure. D'accord. Je ne sais pas qui sont ces usagers, mais en effet la vie n'est pas facile pour personne. Qu'avons-nous là? Chamal, le gardien du clan Perle et la demi-portion du groupe Galaxy? Alors, Camille, tu vas te calmer déjà que t'as une tête de. Regardez-moi ça! Sa tête! Si tu crois pouvoir rencontrer le grand électrode, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de pouvoir de prouver ta valeur. Il te suffit pour ça de venir à bout de plus imposant des obstacles. À savoir, moi! Ah voilà! Ah non, je peux pas. Quel dommage. Je l'aurais bien éclaté le cul. Là, il fait son. Regardez, il fait son mec! La rage des monarques n'est rien d'autre qu'une faveur divine! Accordé par le grand Sinnoh. C'est en tout cas ce dont je suis convaincu. C'est en laissant les monarques exprimer leur furie que nous prouverons la fidélité du plan diamant du haut gros Sinnoh. J'oserais même dire que si je suis venu au monde, c'est pour accomplir cet objectif. Et d'ailleurs, en quoi un électrode qui envoie des décharges au fin fond de la montagne concerne le groupe Galaxy? Si, plutôt mon conseil est rentre sagement chez toi. Allez, bon vent. Ah, c'est la première fois qu'on est un petit peu, on va dire. Considéré comme ça, là, un petit peu. Salut Lord! Ah, écoute, ça va très bien, j'ai vu que t'allais voir les machas. J'espère que t'as kiffé. Ah, tu viens de te faire mes 3 lives, GT? Eh bah, dis donc, tu t'es bouffé 10 heures dans la gueule, là. Voilà une opinion bien égoïste, alors que les Pokémon enragés souffrent clairement de cette furie qui les habite. Mais c'est à vous de choisir, Pyrux. Que voulez-vous faire? Bon, je continue, hein, de toute façon.
Moi, je m'en fous, hein, de Camille. Le chemin sera semé d'embûches, mais ma priorité, c'est la sécurité des voyageurs. Pyrux, pour rencontrer Farfurex, il va vous falloir traverser la grotte des Égarés. C'est une grotte particulièrement sombre, habitée par de nombreux Nosferalto. Ces Pokémon sont en effet habitués à l'obscurité. Super, on va se choper une espèce de grotte noire. Faites donc bien attention où vous mettez les pieds. Oula, regardez le Nosferatu là-bas. Ah non, il était juste bugué, hein. Regarde, quand t'es trop loin, regarde le Nosferatu, comme il est bugué. Et quand tu te rapproches, vu qu'on se rapproche, c'est bon. C'est pas normal, hein. Ça, c'est pas normal. Regarde, il m'a vu, mais il On veut va pas continuer. continuer, parce qu'en vrai, type électrique, bah, on n'a pas d'immunité, par contre, mais bon. Je pense pas qu'on va devoir le battre, je pense. Donc, enfin, on va devoir se battre contre lui comme d'hab, mais avec notre corps, quoi. C'est étrange, les torches censées éclairer la grotte ont disparu. Serait-ce l'œuvre de Camille? Mais ne vous inquiétez pas, je connais la route. Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et arriverons sans retard. Suivez-moi. Ah oui, d'accord, on y va. Yo. Mes souvenirs sont flous, mais jadis j'avais un partenaire qui m'était cher. C'était qui? Qui était-ce? Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je sais que c'était un Pokémon utilisant le feu. Le feu? C'était à mes côtés, maintenant il aurait pu illuminer le chemin pour nous. Faisons l'arrêt ici. Oh! J'ai repéré un Pokémon Baron sur notre droite, il s'agit d'un Stanfer. En temps normal, cela ne devrait pas freiner le train de notre progression. Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. La sécurité passe avant tout. Ah oui, d'accord, on le fait pas, quoi. Donc moi, si je vais là-bas... Ah, j'aurais pu. Hein. Je me souviens qu'un homme qui me ressemblait avait... Et attends! Ne vous éloignez pas trop de moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Répète, répète. Et surtout, j'aime gagner. C'est ce que je préfère, disait-il. Ah, il parlait d'un mec, hein. J'ai pas eu le temps de lire la phrase. Nous sommes sur le point d'atteindre le terminus de la grotte des Égarés. Je constate que certains souvenirs sont restés gravés dans mon cœur malgré mon amnésie. C'est bizarre, on dirait que il est un peu chelou lui. Hein. Nous avons bien avancé, nous y sommes presque. Bah je vois, vas-y. Oh tiens, ne serait-ce pas? Ah bah oui, Camille a tout ramassé, tu sais. Il est rentré 5 minutes avant nous, il a tout ramassé. Rallumons les torches au cas où d'autres personnes viendraient s'aventurer dans cette grotte. Ben oui, donc avec Shama, ce que j'ai compris, c'est qu'il est il est amnésique, hein. Il sait pas ce qui lui est arrivé. Si ce n'est qu'il avait un pote, il avait un pote et il avait aussi un Pokémon qu'il n'a plus. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Donc effectivement, c'est sympa parce que comme nous, on est aussi amnésique, donc on est un peu deux dans ce même cas. Donc à voir ce qui se passe. Et voilà, toutes les torches ont été rallumées. J'ai bien procédé aux vérifications de routine. Attention au départ. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Bon, alors. Est-ce qu'on peut enfin bouger, se faire plaisir? Ah merde! Un coup plus, c'est bon. Bof. Bon, du coup, on a fait cette grotte. Hein, une grotte qui, visiblement, a des. Comment il s'appelle? Elle s'appelle comme ça aussi, la grotte qu'on peut avoir à Grignote, justement, dans Diamant et Perle. Il vient du futur, car c'est bien le chamal qu'on connaît de la 5G. Bon, le problème c'est que moi je me rappelle plus qui c'est chamal, donc je t'avoue. Je vais mettre chamal 5G. Ah, le métro de combat! C'est pour ça que ça me disait rien. C'était il y a longtemps là, j'étais même pas. Si, j'étais né. J'étais très jeune. Métro de combat dans la 5G avec son frère Shamzin. Bah, tu sais. Ok. Maintenant que tu le dis et que j'ai tapé, effectivement. Mais c'est noir de blanc 2 du coup seulement. Le métro de combat, il n'y avait pas dans le 1, non? Ouais, donc c'est pour ça, c'est impossible que je me rappelle de lui. Vous êtes tombé du ciel, c'est bien cela, c'est le professeur Lavande qui me l'a appris. En ce qui concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui me disait rien. La seule chose dont je me souviens, c'était mon nom. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place sans savoir que faire, le clan Perle m'a secouru. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Ah, noir et blanche? Noir et blanche 1? Cependant, je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Après, je vous avoue que c'est la génération de jeu que j'ai moins joué, donc ça m'étonne pas que je l'ai oublié. D'après, je parle et j'oublie l'heure. Dépêchons-nous, nous avons à faire.
Et ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même fait pas mal de métro de combat. Il y a un truc que j'ai fait à la... Il y a un truc que j'avais fait dans la 5G, c'était bien ça. Hein. Le métro de combat. Hein. Mais bon, comme quoi, on peut pas tout se souvenir. Hein. Ok, hop, hop. Rien de spécial. Bon, bah, on y est. Hein. Ah, attends. On va mettre qui? J'étais obligé de vite changer parce qu'il m'attaquait. Vous n'avez pas honte? J'avais pourtant rangé ces torches, pourquoi les avez-vous remises à leur place? J'agis avec la courtoisie et voilà comment vous me remerciez? Comment? De la courtoisie? Mais personne ne peut passer sans ces torches. On a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Et pour casser les couilles. Vous piétinez ma bienveillance et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode? Si je puis me permettre, vous déraillez complètement. Du coup, jeu de mots avec le métro de combat. Si vous voulez passer, il faudrait déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en pensez-vous, Pyrux? Ouais, vas-y. Hein. T'inquiète, Pyrux, je m'amuse à essayer de deviner les ancêtres de chaque personnage. J'en ai 15 de sûr pour l'instant. Et il faut aussi faire gaffe aux persos secondaires, quêtes secondaires, marchands et autres, ils sont importants. Ouais, non, mais tu fais bien, tu fais bien. En vrai, c'est. Enfin, le lore Pokémon. Et le nombre de personnages différents qui existent, c'est impossible de les avoir tous en tête, tu vois. Forcément, des fois, il y en aura des personnages qu'on va se rappeler et d'autres moins, tu vois. En l'occurrence, lui, c'est vrai que c'est pas le personnage que tu te rappelles de la 5G, tu vois. Je veux dire, si on aurait vu un N, tu vois, un N-like ou un Getis, on aurait tout de suite vu, tu vois, un petit peu le style. Mais là, lui, non, tu vois. On a mon flair, fais leur sentir le parfum de la défaite. Tu vois, même Cynthia qui était complètement. Enfin, par rapport à Percupio, il s'appelle. Au début, j'ai pas tout de suite fait le lien parce que ben, c'est pas le même caractère. Mais en vrai, après, t'arrives à voir un petit peu quand même. Je pense qu'on peut se le faire. Ah, coup de close combat là. J'ai peur que voilà, le drop me fasse mal. Ouais. Bon, après, là, ça suffit amplement pour le tuer. Donc, Là-bas, je vais pas mettre lui, mais bon, j'ai pas eu le temps parce qu'il m'attaquait derrière. Mais c'est vrai que voilà, les combats, c'est que un Pokémon souvent contre 6. Enfin, nous, on a 6 Pokémon, quoi, donc. Ah oui, Lord, t'as pas vu, mais j'ai fait évoluer Kaninos en Arcanin et j'ai fait évoluer aussi à la Kadabra en Alakazam. Écoutez-moi bien, ni moi ni Mouflair n'avons l'intention d'accepter cette défaite. Nous aurons notre revanche. Mais cela peut attendre, il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Autrement dit, c'est une retraite stratégique. Même si le mot retraite ne me plaît guère. Restez sur garde car nous reviendrons. Ok, vas-y, dégage. Quel personnage infatigable? Gram, pour vous, ce serait Donna? Ouf. Je suis pas sûr, hein, pour le coup. Ah, Amana aussi, ça pourrait être, effectivement. Mais vu que là on a pris noir 2, noir 1 et blanc 1, peut-être qu'ils vont rester sur noir 1 et blanc 1 pour le coup. Je me demande quelles sont ses intentions. Pour le moment, attendons vers l'ancienne carrière. Mais je sais pas comment on fait pour vous rappeler des. Ah, mais il a quoi lui? C'est vrai que les parasectes ils me font peur. Oula. Je me casse. Je me casse direct. On dirait un petit donjon à la Zelda là. Avec des potes, on a réussi à deviner que chaque membre du clan Diamant sont les ancêtres de persos importants de Sinnoh, tandis que ceux du clan Perle sont liés à Unis. Ah! Alors. Faudra. Maintenant que tu dis ça, faudra faire gaffe pour voir. Pour voir. Voilà l'ancienne carrière. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Et avec ton analyse, ça veut dire que. Que peut-être ça annonce quelque chose par rapport à la 5G aussi. Prochain jeu ou prochain remake, prochain je sais quoi, prochaine légende, prochain jeu légende, je sais pas. Hein. Vu qu'on traite la 5G avec ces persos-là. Et que dans les trucs de la 5G, de légende, mais si, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc légende Kyurem ou légende je sais pas quoi. Hein. Parce qu'en vrai, la 5G on critique, mais il y a moyen de faire une histoire avec une histoire de légende, quoi. Il y a moyen. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les êtres humains et les Pokémon travaillaient ensemble ou s'il s'agit de l'œuvre des Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Chamal!
Percupio est là. Monsieur Percupio, si je ne m'abuse, comment allez-vous? Très bien, mais je suis là, c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle? Non, j'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais je n'ai pas le moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. Vous auriez probablement plus de succès en interrogeant Pyrux. Bon, en fait, je suis dans le même état, même pire. Je vois, j'espère que vous retrouverez la mémoire. Pyrux, te souviens-tu de ce qui s'est passé juste avant de tomber de la faille? Bah, il y avait un téléphone qui volait, une boule de lumière, vaguement. Pas grand-chose, quoi. Je vois. Je pense que c'est ce qui se trouve de l'autre côté de la faille à l'origine de cet étrange éclair. Je vois. Fais tes analyses, hein, mon frérot. D'après ce que j'ai compris, cette faille serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle, et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Ah, avec. Dans Rosa, il parle de faille aussi. Non. Si. Non, pas dans Rosa, dans Soleil et Lune. Il y a les failles. Quand j'y pense. Dans Soleil et Lune, il y a aussi les failles. Hein. Parce que dans Rosa, c'est pas des, ils appellent pas ça les failles, non, les. Où on peut voir les légendaires. Quoique, peut-être aussi des failles. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du Grand Sinnoh. Ou c'est le futur, hein, peut-être. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis? Et pour quelle raison a-t-il décidé de le rouvrir? Et pourquoi Pyrux en était tombé? Tant de mystères à résoudre. Ouais, en plus, dans Rosa, c'est plutôt. C'est ouais, c'est les anneaux de Hoopa. Mais ils appellent ça comment? Comment on appelle ça? Ah, c'est les portails. Des portails, ok. Par contre, dans Soleil et Lune, on est d'accord, c'est les failles. Cher Percupio, j'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignaient la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. T'imagines si on a un jeu dans ce style où on pourrait justement traverser les failles spatio-temporelles et se faire toutes les générations, sa mère. Ça sera incroyable. Enfant, je ne suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches, après en parler, je fais confiance à Pyrux, c'est bientôt. Ok, ciao. Imagine! Si ces failles, ça permet vraiment de revenir dans le futur, entre guillemets. Parce que là, on est venu dans le passé, clairement. Et lui, c'est un mec du futur. Comme moi. On n'est pas. Voilà. Donc, ça voudrait qu'on pourrait revenir dans les zones qu'on connaît. Mais peut-être des années plus tard, quoi. Ce serait trop bien. Notre destination ne se trouve plus très loin. Attends-nous, mais reste en prison. Ce serait stylé, non? Arcéomir. Une belle assiette. Une belle assiette, attends. Faut quand même que je capture des trucs. Ouais, mes frères, ils me voient. Viens voir papa. Viens voir papa. Ouais, mais ils sont tout nuls en fait. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils sont tout nuls? Enfin, tout nuls, 31, c'est pas non plus. Totalement à chier, mais. Après, peut-être que je suis au début de la zone. De la zone, de la grotte. Parce qu'au fond de la grotte, il y aura des trucs plus forts. Vas-y, j'essaie de la voir. Mais il me voit, hein. Il va me voir ce con. Attends, on va essayer de faire un tir assez stylé. Oh oui, pas con. Je l'ai baisé! Ça demandait 3 ans de développement, mais il faut qu'ils en mettent 5. Après, maintenant, ils ont les bases de jeu. Mais oui, c'est ça! Moi, je pense que. Je sais pas combien il y a de Pokémon dans le jeu. Hein. Mais je pense qu'il y a sur les 900 qu'on a disponibles, à mon avis, il n'y en a même pas le quart. Hein. Mais je pense qu'effectivement, ils ont une bonne base maintenant. Maintenant, à voir. Bon, attends, je vais le tuer lui parce qu'il casse le truc. Mais à mon avis. Ah, 38, là c'est un peu plus. Ouais. Dès que ça évolue, là, c'est plus la même chose. Ouais. Allez, ça dégage. Mais ils vont avoir une bonne base. Après, je pense que. Enfin, j'espère. Parce que le truc, c'est que s'imagine, attends. La plus grosse des blagues, ça serait que là, ils font un truc bien. Quand même, globalement. On est content, mais on veut un peu plus. Mais ils vont pas plus. Ils vont pas plus loin. Genre, ils vont nous refaire la même chose. T'imagines? La honte. Oh là là. Ah, il veut dire qu'il y a quelque chose par là-bas. Je pense qu'il veut que j'aille là. Hop là. Alors. Il aimerait que je défende cet arbre. Et là, il y a un Scarino qui tombe. Un Seriflore! On en a besoin pour une quête en plus, hein.
Oui, il attaque pas. Ah. Alors je sais pas s'il faut l'attaquer, s'il faut lui faire un truc. Dans le doute, on va l'attaquer une fois. Et on va essayer de le capturer. Voilà. Dans le doute, hein. Juste dans le doute. Il fallait faire un truc avec un Seriflore, il me semble, dans une quête. Mais bon, je pense qu'on peut en trouver avant, mais... Mais peut-être qu'en fait, ce Seriflore est ici. Tout simplement. Pourquoi tu es Seriflore, mon cher Macarena? Oh, comme il est moche, enfermé. Ok, bah, j'ai fait la quête, du coup. Il voulait que je fasse ça, non? Je pense, hein. Je pense qu'il y a autre chose. Aquaquac. Il y a rien d'autre. Il n'y a pas des shiny encore une fois, il n'y a pas des trucs qui m'intéressent. Non? Il y a les mêmes poké quoi, regarde Vorton. Pourquoi? Allez! Je suis là! J'ai fait ce que tu voulais. Il m'a pris 60 hyperboles. Ah, quoi? Mais tu l'as pas affaibli un petit peu? Mimir! Ouais, j'ai vu que t'as eu un shiny en forêt. T'as eu un quoi, c'est ça? Il paraît. On dirait qu'il y a quelque chose par là-bas. Mais quoi, mais... C'est pas du tout l'arbre, en fait. C'est pas du tout l'arbre. Moi qui pensais que c'était l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Oh, il y a un petit... Putain, mais c'est un aquaquac nain, regardez. C'est un aquaquac nain. Il est tout petit là, quac. T'as vu? Par rapport à l'autre? Oh putain, Arcomir! Aïe. Arkeo. Mimi. Arkeo. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une relation platonique? J'ai vu l'Arcomir se précipiter soudainement dans cette direction donc. Oh non, ce pauvre Arcomir, il est gravement blessé. Il est vraiment très mal au point. Je vais le soigner immédiatement. S'il te plaît. Voilà, avec ça, il devrait aller beaucoup mieux. Arkeo, mi. Je comprends mieux maintenant, l'Arcomir était donc venu chercher de l'aide pour son ami. Grâce à toi, nous avons pu agir à temps et soigner ce pauvre camarade blessé avant qu'il ne soit trop tard. Comme quoi, cette zone est très dangereuse, même pour les Pokémon qui l'habitent. Tu devrais te préparer encore plus soigneusement que d'habitude avant de t'aventurer. J'ai de bons objets en réserve, donc n'hésite pas à venir me voir si t'as besoin de quelque chose. Regarde ça, on papote et... Hop, l'installation du bivouac est déjà terminée. Sur ce, à la revoyure. Bah nickel, hein. Oula, j'ai eu un message bizarre de Twitch qui me disait qu'il y a un problème de serveur. J'ai eu un petit peu peur, j'avoue. Regardez ça. C'est un aquaquac nain. Attends, je me casse. Je veux pas te faire du mal. Alors attends, il est où? Il faut que j'aille en fait, parce qu'il me parlait de la suite. Ah, là-bas. Bah attends, on va... Ah merde, je pensais qu'il était là l'autre, le frérot. Bon, on y va, hein. C'est pas un peu trop... Là, il y a un Luxray au calme. Allez, on gambade. Hop. Ah, il y a beaucoup d'espace là. Ça semble parfait pour Farfurex. Oh, il y a un truc là. Des champignons ninja. D'accord. Allez. Oh. Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas? Mais Verfurex, elle est tout à fait capable de l'escalader sans... Ah bah voilà, il fallait un Pokémon comme ça qui pourrait escalader partout. C'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Genre une cesse, par hasard. Une CT maintenant, escalade. Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de tel à essuyer. Pourtant, j'ai comme un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Essuie. Bah, visiblement, tu faisais juste tourner un métro, c'est tout. Hein. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Pyrux, accepteriez-vous de combattre contre moi? D'accord. Et là, dans ce cas, Machopper. Attention au départ. Dommage, j'ai pas le bon Pokémon. Ah, 3 Pokémon, on a enfin un vrai combat. Ok, Machopper par contre c'est du combat. Alors, j'ai le choix. Soit il fait une attaque combat, du coup je switch sur mon cher Alakazam. Après on a vu que en switchant, des fois on peut
attaquer en même temps. Donc dans le doute, on va switch. Match offert est tellement lent que si ça se trouve, il va pas anticiper. Tant qu'il fait pas sabotage, ça devrait le faire. Voilà, je switch, en plus je peux attaquer, tout va bien. Ce n'est pas logique. Alors, déjà, choc mental, je ne peux pas louper choc mental. Donc, c'est 100% de précision. Donc là, je ne comprends pas ce qu'il nous fait. Mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Ah, pas de problème. Ah, les Pokémon barons ne peuvent pas évoluer. Putain, j'ai bien fait de capturer des barons déjà évolués. Hein. Je vais faire rapace. Putain, j'ai loupé choc mental, quoi. Ça, pour le coup... un peu déçu, mais c'est comme ça. Il va me soigner après, de toute façon, je pense. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé le bon Pokémon. Ah merde, il attaque avant. En cul honneur, il attaque avant. Il est paralysé. Le para. Mais putain, mais c'est quoi ces. C'est 7. Ah, c'est faux. Ok, Polymus qui nous dit que non. En fait, on peut faire évoluer un Pokémon par an. Du coup, je vais revenir sur Typhlosion. Franchement, moi, ça me perturbe que c'est plus du tour par tour, que c'est un peu du random par random. Par contre, il fait que pleuvoir, donc j'ai l'impression que les Pokémon feu, mais... Bon, après, là, visiblement, peut-être la pluie n'influence rien. Hein. Moi, je m'excite. Ça se trouve, la pluie n'influence pas la puissance des attaques feu. Hein. Un score vol. Il risque d'attaquer. Et là, il me fait attaque sol. J'ai l'impression dans ce jeu, en vrai, j'ai l'impression quand même que ça fait du one-shot, 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 one-shot. Après, en vrai, le problème, c'est que là... Ah oui, c'est bon. J'ai du x4. J'ai du x4. À moins qu'il attaque avant, hein, mais bon. Non, c'est bon. Dans ce jeu, c'est que ça, ouais. Que moi... Quoi ? Ah oui, c'est vrai que j'attaque deux fois. Ça n'a aucun sens. Mais arrêtez. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai résisté. Ah non, c'est vrai que l'écran de fumée est cheaté dans ce jeu. Il est tellement mal codé, regardez. C'est tellement mal codé que je... Ah non. C'est la première fois que je passe un Pokémon qui s'est mis un écran de fumée. Hein. La première fois. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage. C'est que c'est plus vraiment du tour par tour. Des fois t'attaques deux fois, des fois t'attaques une fois, des fois dans le switch, tu peux rattaquer, des fois dans le switch, tu te fais attaquer, ce qui est normal à la limite. Des fois quand tu remets le Pokémon parce que t'es mort, bah... Du coup, il n'y a que 3 Pokémon qui ont pris de l'XP, j'espère qu'ils vont me le soigner quand même. Mais bon, on va dire que c'est pas grave, c'est pas le combat l'intéressant dans ce jeu. Votre force vous a permis d'atteindre avec brio la gare de la victoire. Bah, bien, il est temps d'invoquer Farfurex. Il m'a pas... À quoi il ressemble, attends, parce que là, du coup, on va découvrir à nouveau. Hein. Nandato. Avec mon petit chapeau. Oh! Attends, alors je suis... je suis mitigé. Le début était bien, et après il y a la tête. Il est marrant. On dirait un espèce de... Ah, oh, c'est bizarre. Il est plus grand, en tout cas, clairement. Hein. Purex, voici Farfurex. Il évoluerait, lui? Auriez-vous l'obligeance de faire entendre à Farfurex le son de votre flûte? Ok. En fait, au début, ça allait et... Je sais pas. Il est grand. Non, Farfurex, il fait un mètre, même pas 60 cm. 50 cm. Tout petit, quoi. À voir comment s'il évolue, à voir comment il évolue. Du coup, une petite plaque. Je regrette, mais je ne pourrai pas vous guider plus loin. Crévissez les falaises avec l'aide de Farfurex et apaisez le roi en haut de la montagne. Je sais pas. Je suis... C'est ça, en fait. La caméra, quand elle a fait comme ça, je fais... Ouah! Et après... Ah! Du coup, je suis sur ma fin, mais je me dis qu'il peut évoluer. Peut-être. Attention, départ! Bref, tu me laisses tranquille, c'est ça? Vous pouvez désormais appeler Farfurex en guise de monture grâce à la flûte céleste
Escalader les falaises les plus escarpées. Escarpées. Ok, grimper et descendre les falaises grâce à vos montures Farfurex. Ça c'est plutôt... Ça par contre c'est pratique. Hein. Ça c'est trop pratique ça par contre. Ça je kiffe. On va le tester. Hein. Donc, si je suis là... Ah ouais... C'est pour ça qu'en fait qu'il casse les... En fait, Serbiline il sert plus à rien. Si c'était se balader mais... En vrai c'est pratique. On va voir s'il tient vraiment. Non ça va, ils le font tenir quand même. Oh putain, il y a un magnézone là-haut. Regardez là. Vous avez vu ou pas? Il y a un magnézone là qui traîne. Qui traîne as. Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'il nous fait? As. Hop. Je pense qu'on peut y aller, non? Ah, c'est un peu limite. Non, ça passe. Il m'a pas soigné par contre son foiré. Hein. Je tiens à préciser qu'il m'a pas soigné. Hein. Ce qui n'est pas très gentil. Après, en soi, je peux revenir en soi s'attaquer, là. D'accord. Même nom, quoi. Après, tu vas me dire qu'elle a déjà un nom d'une lady. Donc, en soi, c'était pour ça qu'ils n'ont pas changé de nom. C'est juste la Fragile Lady de Isui. Ah, après, quand j'y pense, attends. Arcana, il s'appelle Arcana. Hein. Ils n'ont pas tous des changements de nom. Hein. Oh, ça, je veux ça. Exact, Lord. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça, ce choix bizarre? Attends, je capture ton frérot. Il m'a vu ou pas, du coup? Il est bloqué. Il est bloqué, le frérot. Ursaluna en anglais, c'est plus stylé. Ah, il est pas bloqué finalement. Tu m'as pas vu. Pah, in the fiac. El Portos, on est bon. C'est où je dois aller déjà? Moi j'aurais dû faire un petit tour là. Oh là là. Je veux voir. Les ruines de Dialga Palkia. Que c'est joli. Ok. Il y a des scorvols qui traînent. Oh, un Portos. Bonjour Portos. Ensuite. Dialga Palkia. L'un face à l'autre. Oh, il y a une distorsion spatio-temporelle qui va s'ouvrir. Attention! Attention! Attends, juste à ton niveau. Oh my god! On se casse! On se casse! Niveau 69! Je me casse, frérot! Je me casse! Je vous jure, j'ai rien fait! Je suis caché! Non! Il m'a eu! Ah, il y a tous les Pokémon électriques ici! C'est le mont électrique! C'est où que je dois aller en fait? Ah, ici! J'ai fait un petit tour. Mais. Je me suis dit, je veux voir. Oh! Des Voltorb d'Isui! Ils sont trop mignons! Ils sont trop mignons! Et une Pokéball sur une po. Oh, tu m'emmerdes. Oh! Non, non! Mais tu te prends pour qui? Mais comment ça? C'est quoi ça en fait? Oh mais casse les couilles. Vite.
Nickel. 42 à Nevultor. Ah, je peux monter au poteau. Oh, trop bien. Je peux monter au poteau. Je peux sauter ou pas? Je peux pas sauter. Du coup, je suis bloqué là. Je veux pas descendre. Moi, je veux pas descendre. Attends. Pourquoi je peux pas? Ah oui, putain, je suis avec lui. On se casse. Ok, on a des bombes aveuglantes ou des trucs. Wesh, il a fait quoi là? Oh, l'arbre qui m'a sauvé la mise. L'arbre qui m'a sauvé la mise. Alors attends, je vais juste... me casser, si possible, parce que bon, c'est un peu dangereux par ici. Ah, un petit peu trop dangereux pour moi, j'avoue. J'avoue, un petit peu trop. Encore lui. Bienvenue à la reine de la lune. La cour royale d'Electrode. Je m'appelle Camille, toujours. Malgré tous les pièges que je t'ai tendus, je dois t'avouer que j'espérais te voir arriver ici. Tu me diras que c'est contradictoire, mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie. Je suis membre du clan Diamant. Je suis né pour servir le clan Sinnoh et le satisfaire. Et si tu penses pouvoir me vaincre, moi, le protecteur du roi, tu peux toujours essayer. Tu vas tomber de haut, je te le garantis. En avant, mon flair, il ne sait toujours pas qui sont les meilleurs mélopas. Putain, j'ai perdu qui là déjà? J'ai Alakazam qui est en moi. Non. Oui. Non, ils sont tous là. C'est qui est en main? C'est Luxray. Ah. Il me met un petit... Ah, ils sont trois. Ouais, mais c'est la triche. Alors, attends. Bah, il faut jouer. Il faut jouer un petit peu... Au pire, ce que je me fais, c'est que je me fais... Ouais, mais le problème, c'est que... Enfin, ça dépend. Je trouve que je vais attaquer avant le moufleur. Style rapide. Ouais, choc venin. 1. Il me regarde. Il rattaque parce qu'il a fait style rapide. Ok. Là, du coup, on peut se permettre de faire un gros éclair fou. Je pense qu'on peut se permettre de faire un gros éclair fou. Ou alors, j'ai une idée. Je pense que tout naturellement, si je fais un beau switch sur Cisaiox, il y a moyen qu'en face, il me fasse rien. Ou même que j'attaque. Ça se trouve, je vais attaquer, hein. Mais non! Il a anticipé! Ok. Genre, il a anticipé. Bon, mon frérot, alors... Je pense que je vais faire le style puissant. Oh merde, je fais sur le mauvais. Bon, c'est pas grave. Au moins, je suis sûr de le tuer, je pense. Hein. Ça, c'est sûr. Mais il fait trop mal, ils font trop mal, les Poké. Est-ce que si je fais en mode style rapide, ça change rien? J'ai pas compris ce que ça fait, par exemple, le truc Kourou. Là, j'ai fait grand Kourou. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Il a pas le temps. J'espère qu'il me soigne quand même. Même si, bon, j'ai pas trop perdu Poké. Juste mon Cisaiox. J'ai fait un magnifique switch sur un Pokémon poison. Sur deux Pokémon poison. Et il a fait quoi? Lance-flamme. Tu vas peut-être gagner ce combat, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant. Hein. Qu'en soit clair. J'ai juste manqué de temps. Voilà tout. J'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner mes Pokémon. Voilà donc pourquoi Adam disait que le temps était précieux. Je comprends mieux maintenant. Nul n'égale la sagesse du clan Diamant et du grand Sinnoh. J'imagine donc que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer les boules pacifiantes, n'est-ce pas? Oui. Désolé, ça ne va pas être possible. Quoi? Pourquoi? Tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. C'est vraiment un déchet, lui. Je te sens agacé, mais ça ne t'avancera pas à grand-chose de perdre ton sang-froid, tu sais. Alors, Pyrux, Camille te donne du fil à retordre. Et voilà, il est là. Et heureusement qu'il est là parce que franchement, il est vraiment pas commun. Désolé, j'ai complètement oublié de te dire
Ce qu'Electrobe aime comme nourriture. Adam! Quoi encore? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pourquoi révéler une information aussi importante à cette demi-portion? Tu es le chef du clan Diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxy. Camille, t'as pourtant bien vu dans quel état est le roi, non? Et ça te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop-plein d'énergie? Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisi par le grand Sinnoh. Nous passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence. Mais nous arrivons à surmonter ces épreuves et elles nous aident à grandir. Alors pour toi, c'est juste le grand Sinnoh qui le met à l'épreuve? Désolé, mais j'y crois pas une seconde. Hein. Je compte bien m'allier avec Pyrrhus pour régler le problème, peu importe qu'on soit pas dans le même clan ou le même groupe. Hein. D'ailleurs, je suis pas simplement venu lui dire que ce que j'aime manger. ce qu'aime manger Electrobe. Je suis venu lui apporter du sel roche dure. Ok, maintenant Camille, tu vas aider Pyrrhus à préparer les boules pacifiantes. Bah finalement, elle aura réussi à faire au moins l'électrode aujourd'hui. Hein. Très bien, j'ai compris. Après tout, je suis un gardien. Je vais les préparer, ces boules pacifiantes. Et voilà, j'ai fabriqué assez de boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrode. Très honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le roi. Sa puissance va te surprendre. Bon, alors là, on est sur un truc, encore un combat à la normale nœud. Tous mes Pokémon sont moitié cuits en plus. Donc dans le doute, au pire... Ah, attends. Oh merde. J'ai pas save. Attends. Je save. Avant, je save. Après, en vrai... J'aurais aimé juste me soigner, mais bon, j'ai la flemme de faire l'aller-retour. Donc en fait, on va juste faire... De toute façon, pire, c'est pas grave. On a vu que même quand on mourait, on pouvait refaire le truc facile. Enfin, facile. On pouvait garder sa jauge. Est-ce que tu es prêt à te mettre dans l'électrode malgré les risques insensés que tu cours? Je vais la défier! Bon, un Pokémon électrique, c'est casse-couille. Hein. Je dois bien reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux. Petit conseil, si l'électrode te fait face, ne t'arrête pas de bouger. Ou tu risques de le regretter. Bon. On va voir quelle tête il a, l'électrode. Sachant qu'électrode, ben, c'est une boule. J'imagine que ce électrode-là, ça doit être une boule... Il est quoi? Il est plante? Il est plante électrique? Je pense, hein, vite fait. Oui, c'est une boule de bois. Bah, pour le coup, je trouve qu'il change pas des masses. Autant le Voltorb il change un petit peu. Autant lui je trouve qu'il change pas des masses. Voilà. Alors attends parce que frérot. Ok super. Attends. Mais comment je peux péter ces trucs? À moins que je tire sur ça. Non. C'est bon. Mais attends! Comment je tue cette merde? Ouais, mais super. J'ai pas compris comment tuer ça. Ah, attends. Oula. En fait, je pense que c'est normal. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris ce qu'il faut faire. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Ah, faut pas que je sois dans le... Ah oui. Bon, après le problème c'est que... Ah, ils m'ont soigné. Pourquoi ça a pas marché? Bon, tant pis, c'était trop lent. Bon, je fais un peu n'importe quoi là, j'avoue. Attends. Il est excité, hein, franchement. Ah, je suis pas mort, je pensais que j'étais mort. Bon, attends, il me casse les couilles, là. Attends. Je pense que je peux pas tirer en même temps, là. Je sais pas comment niquer cette boule. Je pense qu'il faut juste que je cours.
Pas le bon poké, mais c'est pas grave. Fatal Foudre, allez, vas-y, il commence. Oh! On va faire. Est-ce que Plenitude c'est bon, le bon play? Je sais pas. Ah, attends. Alors, j'en fais une. Excusez-moi, j'ai un peu la galère là. Une. Deux. Bon, en vrai, je m'en fous que ce soit pas fort. De toute façon, c'est. Là, je suis à plus de plus 2. Donc là, logiquement, c'est il me touche avec Fatal Foudre. Il me fait pas beaucoup. Ok, super. Alors, j'ai le choix entre. Bah, j'ai pas le choix. J'ai oublié d'aller voir ses attaques à lui en plus. Je suis sûr que la psycho. Bon, là, je suis à plus 2 quand même. 46, il est. En vrai, ça va. Parce qu'en soi, je garde mon arcana. Ils m'ont soigné juste avant le combat, en vrai. Donc je mets lui. Normalement, j'attaque avant. Ah, oh, j'espère. Hein. Oui, c'est bon. Et là, normalement, un gros. Ah, je suis pas sûr. Hein. Ouais, je tente, mais je suis pas sûr. C'est neutre, mais en même temps, il reste pas beaucoup. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais, mais je suis bientôt mort. J'étais bientôt mort, j'ai juste foiré. Oh putain. Oh putain. S'il vous plaît. Les Voltorb là. Ouais, mais bon, c'est bon. Ah, c'est bon là, il va faire son truc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est. C'est sortir au bon moment là. Oh merde. Ouf. Et là, tac. Ok. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Bon, au moins, vous avez vu comment faire. Hein. Il faut juste fuir. Il faut pas faire comme moi qui aimerait faire les deux. Qui aimerait faire les deux en même temps. Oh non, mais c'est abusé. Là, si je foire, par exemple, si je suis paralysé, je suis dans le caca. Non, quand tu perds, ils te disent ouais, tu peux garder la. Ah si, j'ai explosion. Ils te demandent si tu veux garder la jauge ou pas. Sachant que j'ai pas non plus envie de faire 40 fois le truc. Je t'avoue. Ah. C'est pas one shot. Hein. On a pas para, ça va. Allez. Bon, ça va. On va dire que c'est passé. Bon, ce qui est bien par rapport à celui d'avant, c'est que moi, j'ai compris ce qu'il fallait faire sur le boss. Donc, je pense que si je le refaisais normal, ça aurait été bon. Alors que l'Arcana, je sais pas, toujours pas comment c'est faisable de le faire sans se prendre un coup. Ah si, il change un petit peu, du coup. On voyait pas en étant tout jaune, mais... Il change un petit peu, il y a les yeux qui sont enfoncés. Donc on dirait qu'il est vénère. Enfin, comme le normal. Hein. Et il a un trou aussi. Il a un trou, il avait pas de trou de base, je crois. Merci les gars, même si bon, je suis pas. Je suis un peu déçu de ce que j'ai proposé comme gameplay. Mais... Ça, c'est mon côté perfect. Qu'est-ce que je fais? Ah, t'as réussi à Macarena sans prendre un coup de la première fois, tu vas me dire. Genre, t'as fait la première fois sans prendre de coup. Franchement, l'Arcana, j'ai pas compris comment faire pour pas prendre de coup. Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes et maintenant le roi a perdu la faveur divine. Du grand Sino, quelle tristesse. Ah ouais. Bon, attends, tout ce que je vois, c'est un électro soulagé de sa peine. Ça, c'est ce que tu veux croire. Que se passerait-il si j'ai provoqué le grand Sino? Contrairement à tes sermons, sa colère, elle, me terrifie vraiment. Mais me voici à destination à l'heure dite. Lui, il est là, tu sais, en mode... Bon, bah, je suis là. Mais que fais-tu de retour ici?
Il se trouve que qu'en faisant équipe avec Pyrux, je me suis rappelé d'une chose. Cela concerne le monde dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. Je me souviens d'un lieu où il était commun d'attraper des Pokémon et de vivre à leur côté. Non, la troisième fois. Ah bah voilà, tu vois. J'ai fait à la fin car je lançais trop bas pour contrer les boules de feu. Ouais, je vois. Non, en vrai, c'est des boss. C'est pas un pattern compliqué, quoi. T'as juste à. Ils ont genre une attaque normale et une grosse attaque, et puis voilà. Parmi eux, il y a ceux que l'on appelle les dresseurs. Ils s'entraînent ardemment avec leurs Pokémon et participent à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Ah bah oui, parce qu'ici on n'est pas du tout comme ça. Grâce à cela, des liens se créent aussi bien avec les Pokémon qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les Pokémon qu'ils affrontent. Les êtres humains et les Pokémon peuvent joindre leurs forces afin de progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les Pokémon sont forts et si nous continuons à les craindre, ainsi ce monde stagnera fatalement. Donc c'est-à-dire que le monde d'avant a évolué dans le bon sens. C'est ce qui sous-entend en soi, même si on les a un petit peu rendus esclaves de nous. Mais bon, on peut aussi dire qu'ils nous aiment aujourd'hui, les Pokémon. Je vois. Et toi, Pyrux, c'était comme ça aussi dans ton monde? Bah moi, en fait. Est-ce qu'on fait. On fait quoi? On fait le mec? Non, vas-y, je vais dire ouais. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ça. J'aurais jamais imaginé qu'un monde pareil pouvait exister. Mais oui, mais bien sûr, Adam, tu n'as pas compris. Je dois vraiment tout t'expliquer. Ce ne sont pas juste les Pokémon qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorerons, plus nos Pokémon pourront progresser. Ah, le grand Sinnoh serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Adam, rappelle-nous les enseignements du grand Sinnoh qu'on nous transmet dans le clan. Écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère, amitié et amour pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère, à la tristesse du grand Sinnoh s'interrompt la course du temps. Bravo, bravo, mille fois bravo! Mes chers amis, laissez votre dévotion sans borne vous transporter toujours plus haut. Quant à vous, Pyrux, votre destination n'est autre que le prochain Pokémon Monarque. Il y en a combien encore? Il y en a encore un. Cette fois, il est réellement temps pour moi de rentrer à Rusticité. Qui sait, sous votre influence, les habitants de Hisui réaliseront peut-être qu'ils ne doivent pas craindre les Pokémon. Sur ces belles paroles, je m'en vais informer les dirigeants Cormier sur le déroulement de cette mission. À bientôt, je l'espère. Avancer vers un meilleur futur sans jamais oublier l'importance du passé et de l'histoire, c'est peut-être ça la volonté du grand Sinnoh vu qu'il a façonné l'univers en contrôlant le temps. Bon, et ben moi je vais affiner mes talents et entraîner davantage Electrode pour qu'il brille de mille feux. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc...